you <laughs> Inscrire la RDC dans le voie du progrès est notre objectif. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Le voix du progrès, nouvelle formule qui revient aujourd'hui sur les projets de développement à adapter aux nouvelles provinces. Elles sont 21 au total. Nous recevons aujourd'hui monsieur Antoine Akoka à qui nous disons bonjour et bienvenue. Euh, vous êtes euh, écrivain, acteur de la société civile congolaise, vous êtes également euh, analyste des questions politiques publiques euh, de, de, de la RDC, c'est ça Bien sûr. Voilà, nous allons parler aujourd'hui avec vous autour de projets de développement à adapter aux nouvelles provinces. Je l'ai dit il y a un instant, elles sont 21 au total. Et je voudrais avant tout, avant que nous ne reviennons au, autour de, de cette problématique, je voudrais que vous tentez quand même un tout petit peu de définir c'est quoi un projet de développement. Il y a deux éléments que vous me demandez de dire au même moment, entre autres le projet et entre autres les développements. Je commence par le séquence qui est développement B. Développer, faire sortir de, exposer, découper, éventualité, manifester, publier, c'est ce qu'on appelle développement. Développer, c'est quelque chose qu'on a, on fait sortir vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'on expose aux autres Qu'est-ce qu'on donne aux autres Le développement n'est pas synonyme d'apprendre une critique qui vient ailleurs. C'est de quoi on est capable. Qu'est-ce qu'on peut apporter Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'interne Développement veut dire quoi C'est-à-dire les voies du progrès, la productivité, l'augmentation de la production, la demande de la population, les problèmes qui sont liés à leur communauté, comme ils sont en train de les résoudre au jour le jour. Alors que vous avez commencé par le projet qui est une vision. Avant d'arriver à un programme, il faut avoir une vision. Une vision qui est une projection. On est dans la prospective politique, c'est-à-dire on planifie les choses, la futurologie avant de, de, que, que les choses arrivent. Nous voulons que ça soit. Alors, comme nous parlons de projets de développement des nouvelles provinces, moi je dis d'ailleurs, ce n'est plus le moment des projets de développement des nouvelles provinces, c'est le moment de l'opérationnalité des programmes de développement des de, de province, de de, de 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 nouvelles pro, provinces, parce que les nouvelles provinces. Existent déjà et n'ont plus besoin d'un projet, mais ils ont besoin d'un programme. Ça, c'est la première voilà, chose. Voilà, nous allons arriver à cette précision et les détails. Alors, je voudrais savoir la portée à quoi, à quoi sert le, le projet de développement Vous voulez bien, je, je, je vous le concède le programme de développement, parce que nous avons changé désormais d'appellation. Au lieu de dire projet, il faut dire programme. À quoi sert le programme de développement une action publique est toujours surveillée, contrôlée par des principes. L'État est différent de la famille, de l'Église ou d'une organisation à part. L'État, comme l'a dit Thomas Hobbes, c'est un contrat social. C'est quelque chose dont une communauté, une affaire de tous, qu'on a mis ensemble certaines valeurs. Nous nous avons concédé notre propre liberté avec notre propre délibération et nous avons soumis. Cela ne veut pas dire que quelqu'un qui donne sa liberté a Un pouvoir, une autorité, a renoncé à ses droits. Il n'a pas renoncé à ses droits, mais il a recadré ses droits pour qu'ils soient opposables à tous. Ainsi, une province, surtout dans le camp de notre pays, où la province a une personnalité juridique. Les nouvelles provinces, c'est différent des autres provinces qui ont existé parce qu'ils ont une personnalité juridique. C'est une entité régionalisée. C'est une communauté, un groupe d'individus, des citoyens, regroupés par la loi congolaise, par l'autorité congolaise. Et pas réjus à l'ensemble de l'État congolais. Qui doit avoir une vision commune Parce que nous sommes dans le cadre de la décentralisation, comme je le fais beaucoup dans l'émission de, 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 de gouvernance locale. La décentralisation est toujours liée à une chose l'État unitaire décentralisé. C'est différent du fédéralisme où l'État n'est pas unitaire. Donc nous devons avoir une vision d'abord globale de l'État. Pour les CAECHIA, le programme du gouvernement central. La nouvelle province n'a pas un nouveau programme à part la continuité de l'exécution du, du programme du gouvernement central qui est reconnu par le Parlement, mais aussi la vision que donne le chef de l'État. Récemment, il y a eu une conférence du gouverneur à Lubumbashi. Le chef de l'État a donné à Tunis que maintenant, on oriente le développement du Congo par l'agriculture. Comme le moyen le, Donc, le moyen la voie par excellence la, les nouvelles provinces alors, vont se développer la, c est c est la de chaque gouverneur de comprendre dans mon en entité quel est le programme quel est le projet quelle est l'action menée parce que le chef de l'état a donné une vision une gloire. orientation politique politique voilà alors maintenant les chaque mini chaque cabinet ministériel pardon gouverneur du gouverneur chaque équipe du gouvernorat va étudier quelle est la question? Vous pouvez descendre par exemple. C'est-à-dire poser le problème autour de ce que le chef de l'État oui. a donné comme Quand vision de développement. Parfois aussi d'Oubangui. Il y a la pêche, il y a l'agriculture. Quelle est sorte d'agriculture? Est-ce qu'il faut rentrer au café? Qu'est-ce que ça va répondre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous partons par exemple au Kassai. Depuis parfois l'époque les, 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 coloniale, on connaissait que les Sankuru étaient les greniers du, du, du Kassai. C'est-à-dire quoi? Les Kassai vivaient à terme animateur par les Sankuru. Alors, M. Antoine Akoka, je ne vous coupe pas la parole. Euh, je, voudrais, je voudrais ici signaler est-ce que là, il faudrait que nous rentrions déjà dans ce que nous avons annoncé au début de l'émission sur. Quel projet ou quel programme de développement adapté euh, sur les nouvelles provinces Le chef de l'État l'a dit qu'il faudrait euh, que l'agriculture soit la voie par excellence et ces nouvelles provinces vont être développées. Vous qui êtes euh, analyste des questions euh, politiques publiques, euh, quelle, quelle est votre proposition par rapport au programme en dehors de ce que le je, chef de l'État a dit Je la lecture à trois étapes d'exécution de ce projet. L'agriculture aujourd'hui. Elle est sédentrice. L'agriculture aujourd'hui, elle est industrialisée. L'agriculture aujourd'hui, elle est aussi traditionnelle. L'agriculture est motorisée même. Oui. Alors, aujourd'hui, quelle est l'agriculture que nous prenons dans notre territoire Il faut d'abord que dans le programme, on étudie les valeurs. Est-ce qu'un auteur seront toujours, même si on les laisse la les méthode des jachers de 3 à 10 ans de repos, on le reprenne auront toujours des ingrédients ou des valeurs pour donner la même sémence, la même production. Si ça ne va pas, il faut améliorer la sémence. Tout ça, ce sont des projets. Mais moi, je vais vous dire ceci. Le développement d'un pays, la première vision en RDC, c'est l'adaptation de l'éducation. Les systèmes scolaires et les systèmes... Comme le chef de l'État dit que nous voulons que l'agriculture soit le moteur du développement de la RDC, c'est-à-dire, il faut d'abord commencer par mettre le moyen dans la formation des agriculteurs. Cette formation n'est pas seulement académique pour avoir des ingénieurs à l'université, mais nous devons la mettre même dans un enjeu, nous qui faisons de la société civile, dans des centres de formation. Comme nous avons l'informatique ici et là, l'Internet ici et là, l'anglais ici et là, on aille des Cadre de formation. Comment améliorer On récrit le, le. Donc, le des, des, des gens, des Congolais, qui vont se spécialiser dans la question de l'agriculture. Dans l'agriculture et spécifier. Parce que le problème dans notre pays est que les gens ne se spécifient pas dans l'agriculture. Tout le monde veut être un agriculteur généraliste. Ce qui n'est pas le cas si on veut progresser. Et on peut, on, si je veux me spécialiser sur l'agriculture du café. On peut trouver toute une région, une province, qui se spécialise ici et augmente la production. Et cette production, si nous le faisons dans toutes les provinces, il y a des provinces qui n'auront plus besoin de les vendre et la consommation sera réduite et l'agriculture ne trouvera pas le moyen. Si nous savons que parfois les coiffins nous viennent de, de Cibao, par exemple, nous connaissons l'état congolais a donné le moyen. Nous connaissons que ces cafés coulent jusqu'ici. Si nous savons, par exemple, aujourd'hui que nous localisons, par exemple, la production de maïs dans les Kassai centrales. Et nous développons, nous ouvrons des grands projets de développement en forme cette population à faire produire davantage le maïs. Ils nourrissent la cassée orientale, ils nourrissent les lomami le ils nourrissent les Olomami. Ils envoient par exemple la Kishasa, à ça, ils envoient de l'autre côté. Ça va faire que le flux économique va monter et que la production profite aux producteurs. Et Parce là, que ce que, okay. que nous avons subi dans les années... J'arrive. Ce que nous avons subi dans les années 80 et que Kamubutu a lancé ce projets d'agriculture tout le peuple sont partis, tout le monde a platé. Dans chaque village, tout le monde a semé le maïs, tout le monde a semé les riz, tout le monde a semé les haricots, tout le monde a fait les, les gourges. Nous, tout le monde a fait. Et alors, au moment de la récolte, personne ne pouvait acheter sur son, son, son voisin. Chaque famille avait tout. Donc, alors avait maintenant, pour mettre de, au marché, de, ouais. pour mettre au marché, il n'y a plus les consommateurs qui a besoin. Donc, alors, euh, en quelque de, sorte, on n'a pas étudié euh, la consommation et la production. J'ai dit, c'est ça, c'est ça le premier volet. Alors le deuxième volet, c'est le problème de l'enclavement et des enclavements. Comment on va produire Quelle est la route qui va servir des desserts agricoles jusqu'à la route nationale pour faire sortir ces produits La première des choses. Je peux produire aussi, je suis parfois en Gandajika. Je produis autant de fruits, mais la route pour arriver à Mujima il me complique. Mais les fruits vont pourrir. La première des choses. La deuxième de choses, parce qu'il y a un problème dans notre pays. Nous avons dans la constitution de notre pays, il a été prévu que les routes nationales, les, les routes nationales, sont de la du ministère des, des infrastructures et des travaux publics du gouvernement central. Et nous avons créé dans notre pays une entreprise publique de l'État de portefeuille qui est l'OVD, l'OVD qui s'occupe des routes des entités urbanisées, dans les villes les villes de notre pays. Alors que beaucoup de provinces, sur le plan des décrets, il y a beaucoup de villes qu'on a créées, mais sur l'effectivité, ce sont des, des, des entités déconcentrées, ce ne sont pas encore des entités décentralisées. Oui, je voudrais, pour aujourd'hui, il voudrais, sera une question importante, j'arrive pour que tu prennes la parole, il sera une question importante. Voudrions-nous bloquer l'élection locale à cause de nos sentiments politiques, sans comprendre que sans l'élection à la base, qui fera effectivité de ces villes pour que ces villes profitent de cet organe de l'État et de la décentralisation dans sa totalité et dans sa voie de développement? On ne saura pas avancer. Voilà, on ne saura pas avancer. J'allais dire, le processus de la production, commence par la production, la consommation, la conservation et le déploiement des de. de, de, déniers, de, de, de des, des, des régimes alimentaires à l'endroit de, de ceux qui en ont besoin. Alors, vous, vous avez posé le problème autour de voies de communication qui sont aujourd'hui presque abandonnées à l'air triste sort. Alors, vous, vous voulez penser que vouloir développer l'agriculture, il faudrait également penser et améliorer les conditions de nos routes qui sont aujourd'hui calamiteuses. Je ne dis pas que les routes sont abandonnées. Ça, ce sera empêché de le dire devant la nation congolaise. Les routes sont construites sont en train d'être construits, mais ce sont des routes nationales. Parce que c'est ça la, le gouvernement national, c'est ça la constitution. Les routes de dessert agricoles. nous avions ce service jusqu'à 1992 dans ce pays, où on avait l'office des routes des dessert agricoles. Depuis que nous sommes entrés de la transition jusqu'à aujourd'hui, cet office a été fermé. C'est-à-dire, les routes qui lient les villages dans les secteurs... Là où il y a les vraies activités, il n'y a pas encore un projet national ou une entreprise nationale qui doit s'occuper de la réhabilitation de la route. Alors, nous avons le service de l'OVD. Alors, pour arriver à l'OVD, il faut que l'entité soit urbanisée. Parce que l'office des voies, de voirie dans les entités urbaines. Alors, toutes les entités ne en sont, toutes, toutes en sont pas encore urbanisées. Beaucoup des villes qu'on a créées, des nouvelles villes, ne sont que sur le thème des décrets. Des décrets parce que jusqu'à aujourd'hui, ce sont des administrateurs des territoires qu'on trouve là, les chefs de secteur qu'on trouve là. Il n'y a pas encore de mairie. Les antennes ne sont pas urbanisées. L'OVD n'a pas encore compétence de commencer les travaux ou de le réclamer dans chaque province. Alors pour donner tonis à ces provinces, il sera important de faire une élection locale à la base. Cette élection locale à la base... Qui va mettre la décentralisation réelle. Nous ayons des maires de ville, nous ayons des, des chefs de secteur élus, nous ayons des échevins, nous ayons des de, 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 de chambres communales qui sont élues. Et maintenant, ces entités étant transformées, décentralisées, ne sont plus déconcentrées. Nous avons un service public de l'État qui va s'organiser. Ça, c'est un aspect. Mais l'aspect le plus central que je dis, c'est l'adaptation de l'éducation. Comme nous, nous parlons dans l'économie des développement, comme nous parlons dans la géographie économique, nous devons aujourd'hui répertorier chaque secteur, chaque production, chaque coin et adapter l'école. Vous savez, les grands défis dans notre pays est que nous sommes tous partis à littéraire, à scientifique, à ceci, à ceci. Nous avons oublié Alors que, que ce même sont. En réalité, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, sont, qui ont fini leurs études dans les filières que vous avez citées tout à l'heure, mais qui en réalité ne sont plus importants comme auparavant à la société, alors qu'il faudrait pendant cette époque que nous pensions à adapter notre système éducatif par rapport aux besoins sociaux qui se posent. Alors, ainsi dit, nous avons adapté notre système éducatif comment nous devons créer les écoles selon le besoin de l'environnement. On ne peut pas avoir dans une même cité, chaque promoteur qui vient créer sa nouvelle école, répète les mêmes options qui sont. Il faut qu'il y ait des écoles de minoserie partout. Il faut qu'il y ait des constructeurs partout. Il faut qu'il y ait des armateurs conformes. L'école, on ne peut pas avoir une école de navigation seulement à Kishasa ou à quelque part. On a des rivières partout. Comment on va adapter Même la maintenance de, la, de, de, de ce monde. Nous devons avoir la maintenance des de, 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 de bateaux, de ceci, pour que cette fabrication, dès qu'on va donner à notre population de la base, s'ils ont la technique, ils ont la connaissance pratique, ils vont devenir les acteurs de la société. Et même si on a besoin d'un expert étranger, la main-d'œuvre locale va le servir. Et au moment qu'ils vont travailler avec un ingénieur expert, soi-disant, Qu'ils viennent de l'étranger, on a travaillé avec eux. Après, ils vont rester avec sa technologie parce qu'ils ont une base. Mais on va améliorer nos conditions de travail. On va améliorer nos logements. On va améliorer nos routes. On va améliorer nos ports et nos pots par notre propre main-d'œuvre locale. Et on peut concevoir de l'amour qu'on donne à sa patrie, qu'on peut concevoir un pot qu'on peut jeter pour son village parce qu'on a la connaissance. Et l'État congolais sera tenu à collaborer avec sa base, c'est-à-dire que les nouvelles provinces doivent tenir. Je crois que les gouverneurs doivent orienter plus systématiquement. Mais comme l'État est un parti, l'école, le fonder et avoir ses qualités demande un peu du temps. C'est six ans, c'est cinq ans, c'est 10 ans. Pour nous avoir des de... cadres qui maîtrisent la question de l'agriculture. Alors, alors nous devons avoir dans les cadres de, du ministère des Affaires sociales, nous devons avoir dans les cadres du ministère de l'Éducation, créer des centres de récupération et d'encadrement. Voilà, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, monsieur Antoine Akoka, qui, qui est en train de, de donner les éléments par rapport à l'agriculture dans notre pays. Euh, comment passer de l'agriculture artisanale à l'agriculture industrialisée Eh bien, euh, la réponse a été donnée avec Bukang Alonso. Il y a même une promesse qui a été donnée, qu'il y aurait des boucans ici et là. Est-ce que euh, Bukang aujourd'hui, nous pouvons dire que euh, le chef de l'État a été tellement sage qu'il a mis en place ces ce projets de, de Bukang qui qui, aujourd'hui, dans sa phase d'exécution de, de, je, je répète les mêmes mots du, du Premier ministre, Son Excellence, qui a dit c'est un projet pharaonique. Moi, j'ai dit, à, à côté du pharaon, il y a toujours des petits princes. Et à côté des princes, il y a toujours des petits gouverneurs. Et à côté des gouverneurs, il y a toujours les principautés. C'est sans la royauté. Alors, si nous avons un grand Bukangalozo, c'est la, la, la meilleure des choses. Mais Bukangalozo peut venir à Kishasa. Bukangalozo ne sera pas allé à, 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 au Katanga. Bukangalozo ne sera pas allé à Bazouélé. Ça, c'est la première des choses. Donc, qu'est-ce la... faire, que faire pour que Bukangalozo arrive dans tous ces endroits Qu'est-ce faire il faut, il faut prendre ces projets. On ne saura pas les répéter. J'ai dit ceci. la technologie, l'expertise, la qualité du travail que offre c'est un travail humain. Pourquoi ne pas prendre les ingénieurs congolais de chaque province On peut les recruter. On fait une bourse. On les encadre. Pas seulement les envoyer à l'étranger. On peut prendre ces enseignants étrangers. On fait une session de trois mois, de six mois dans un mois selon les aptitudes c'est là ce qu'on va faire et on forme les gens et ces, a, ces agronomes parce que nous faisons pour la nation ils rentrent dans leur province ils forment dans le ville dans le ville il y a des de, de formateurs à formateurs dans tout le niveau comme on a vu avec la Série la Série forme un petit groupe le petit groupe descend descend jusqu'aux opes c'est de la même façon qu'on va faire tous les projets de l'État. Et après un moment, la connaissance devient généralisée, généralisée. et appropriée à une nation. Et Bukangalozo sera la fierté de tout le monde parce que tout le monde fera un commentaire judicieux. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons des commentaires sans connaître de quoi nous faisons des commentaires. Il techn... faut dire que le projet qu'au début et peut-être que dans les jours à venir, il va offrir le meilleur des services. Je n'ai même pas visité. dit ça parce que Bukangalozo, c'est le meilleur du monde. C'est la haute technologie. On pas... Nous faisons des commentaires parce que nous ne connaissons pas cette technologie. C'est pour cette raison qu'il faut approcher la population à la connaissance de cette technologie. Il faut se m'approprier. Il faut rentrer à une formation. La formation de l'homme doit rester au centre du projet d'un gouvernement. Parce que sans que l'homme soit à la hauteur de répondre aux défis de sa société, c'est que l'homme lui-même deviendra un problème. D'où, pour résoudre ces problèmes, il faut lui donner une connaissance appropriée. Donc, si nous voulons réussir ces projets et ces programmes, les gouverneurs doivent tenir des sessions et organiser. Ça, c'est un secteur de l'agriculture. Mais ce n'est pas seulement ça, le secteur pour développer le Congo. Nous savons qu'aujourd'hui, la population congolaise a une vocation commerçante. Vous partez partout, tout Congolais un est un petit débriard Même si on dit que les fonctionnaires n'ont pas droit, si vous trouverez ça... femme. Contrairement trouverez... à ceux qui pensent que les Congolais sont de paresseux, ils ne veulent pas travailler. J'ai dit les Congolais ne sont pas paresseux ne veulent pas travailler, les Congolais travaillent. Mais le travail dépend d'une société à l'autre. Les Congolais ne sont pas paressés. Vous commencez par vous-même, vous, vous n'êtes pas paresseux. Comment vous pouvez accepter ça Moi non plus, je n'accepte pas, je ne suis pas paressé. Nous voici en plein travail. Donc les Congolais ne sont pas paressés. Mais je vous ai dit, il y a des critères qui découragent certains travaux. Tu as produit les riz, tu as produit le maïs. Par rapport mais... aux activités commerciales que vous avez citées tout oui. à l'heure. Qu'est-ce qu'on gagne qu les commerces, quand on n'a pas la situation économique stable, ça décourage et on fait plus de pertes et de ceci. C'est pour cette raison. Nous sommes devant une population. Il faut se tire les besoins de population de la base. Il y a des populations riveraines à l'équateur ceci. Un enfant de l'équateur a besoin d'avoir un navire que d'avoir un vélo. Qu'un enfant de Kisangani a besoin d'avoir un vélo, qu'il d'avoir une moto. Un enfant de Kishasa a besoin d'avoir une moto, qu'il d'avoir ceci. Il faut accadrer les besoins sociaux de la base. Et chercher par tous les moyens comment résoudre, résoudre ce problème, comment favoriser cette économie, comment favoriser. Chaque gouverneur doit étudier la question. Ce n'est pas faire parfois les listages des gouvernements ou des programmes parce que j'ai trouvé. Donc le, le ministère de l'Agriculture dans ces nouvelles provinces est un ministère très important. Clé. C'est un ministère clé. Selon les tonistes du chef de l'État et moi je l'avoue parce que je sais que l'économie la plus stable au monde c'est l'économie agricole. Et dans toutes Donc les, les sociales nations... dont on parle cette question du social sera résolue par rapport à cette vision que le chef de l'État voudrait imposer. Il faut le dire comme ça. Vous savez, vous savez pourquoi j'insiste sur ça? Le moteur de l'industrie ou de l'industrialisation, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture qui nous donne de la nourriture. C'est l'agriculture qui nous donne la matière. Ah, il faut dire vent, ventre est affamé, un point d'oreille. Hein? <laughs> c'est l'agriculture qui nous donne un important. Pour ne pas, si nous quittons le monde des minéraux, c'est l'agriculture qui nous donne les produits industriels. Vous ne pouvez pas avoir des tissus, vous ne pouvez pas avoir des caoutchoucs, vous ne pouvez pas avoir des ceci, des chaises, de ceci. Si vous ne passez pas par, c'est l'agriculture qui nous donne les premiers produits industriels et ces produits transformés. Quelle industrie a de place S'il n'y a pas l'agriculture, il n'y en a pas il y a, non plus. Il y, a, il, y a même, il y a même un pays voisin qui n'a que richesse, l'agriculture à, travers, à par rapport. Au... Si vous allez parler aujourd'hui du Brésil, si l'économie chinoise aujourd'hui est aujourd stable... La Chine a résolu d'abord le problème agricole. Vous n'oublierez pas que dans les années 70-80 jusqu'au début des années 90, ouais. il y a eu un programme chinois ici, PNR. C'est le PNR, c'est les Chinois qui les géraient au Congo. Programme national des riz, où les Chinois venaient avec leurs expertises jusque dans nos territoires pour nous encourager, bien que quand à leur départ le programme est fini, les Congolais ne sont pas appropriés. Monsieur Antoine Nkoka. Que... Les minutes sont passées très vite à la télé, c'est le temps, allez-je dire. Nous sommes arrivés presque à la fin. Il ne reste que votre conclusion. En quelques mots, qu'est-ce qu que vous pouvez dire en termes de conseils au, à l'endroit des nouveaux ministres de, de, de l'Agriculture à travers les 21 nouvelles provinces de la RDC À analyse des, des questions de politique publique, je mets mon avis avec une analyse judiciaire, judicieuse et objective. Commençons par la formation, encadrement de population. La première des choses que la population s'en approprie d'une connaissance élémentaire et importante sur la matière de l'agriculture. La deuxième des choses, il faut que les gouverneurs et les gouvernements provinciaux tiennent compte des écoles techniques d'en approprier une technicité de main-d'œuvre locale. Ça va diminuer les conflits. Et les problèmes des bandits de la rive et les problèmes quand ils auront le métier donnons à la jeunesse un métier donnons l'occasion à cette jeunesse d'avoir un peu de métier partout où il se trouve ils soient vous capables de, de remplacer de, l'étude des saisons également peut aider oui. à, à améliorer ce secteur quand, quand on dit on fait une formation de la Gikiti, on va vous parler de tous ces domaines de saisons des climat, des de, de, de ceci à l'intérieur de cette formation ça englobe la dernière, la, dernière des choses Attaque membres de la société civile et attaque citoyens congolais. Donnons aussi chance à l'élection locale. L'élection locale va débloquer un certain bon nombre de choses qu'on le croit. On ne les a jamais vécues depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui. On le refuse et beaucoup de politiciens nous bloquent. Donnons la démocratie à la base. Les communautés vont s'organiser parce que les nouvelles provinces ont rapproché les tribus à rapprocher les communautés, donnons la chance à ces communautés de se réorganiser, de mettre un pouvoir légal élu, et qui peut avoir un programme devant la base, et qui peut attendre la réclamation des autres. Akuka, et on, je on vous va remercier des seigneurs de guerre. Ok, Antoine coca merci. Je rappelle que vous êtes écrivain, vous êtes acteur de la société civile, vous êtes également euh, analyste des questions politiques publiques. Nous vous recevions dans cette émission où nous avons parlé du développement des nouvelles provinces. Quel projet ou quel programme de développement faut-il adapter à ces nouvelles provinces Vous avez donné quelques pistes de solutions. Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Notre objectif, c'est d'inscrire la RDC dans le voie des progrès. Portez-vous bien. Au revoir.